Alors voici le haras de Bouctot pour cette route des étalons 2018 avec Rinecco et Dina Vena. Regardez déjà, première surprise, la fin, la construction de la cour, de l'autre côté de la cour en U. Ça c'est déjà beaucoup, une grande nouveauté au haras de Bouctot. Et oui, pourquoi? Parce que le haras de Bouctot accueille 9 étalons en 2018 et il y a beaucoup de gens pour les regarder. C'est tout simplement le haras qui accueille le plus d'étalons de toute la route de Normandie. On va commencer, une fois n'est pas coutume, par la fin de l'alphabet avec ici Zelzal. Zelzal, un fils de Six The Stars, vainqueur du prix Jean Prat. Alors je vais m'approcher tout de suite de Sébastien qui va nous dire un petit mot rapide sur Zelzal parce qu'on va se focaliser sur les 5 nouveaux étalons. Alors un mot sur Zelzal, Six The Stars. Six The Stars, effectivement, c'est le premier fils de Six The Stars qui va faire la montée en France. C'est le fils de Six The Stars probablement le plus rapide qu'on ait vu. Super miler, beaucoup de vitesse, très belle lignée maternelle puisque la mère, sa mère est Parking Mambo, deuxième père de mère Sadler's Wells, une famille qui est vivante puisque sa sœur par Ridou Choice a gagné le prix Chloé cette année pour Nicolas Clément. Donc c'est un cheval qui est très intéressant, qui toise 1m59, qui est très bien fait, assez compact, belle arrière-main et qui va officier cette année au prix de 8000 euros. Très bien. Zelzal, on a commencé une fois n'est pas coutume par la fin, c'est lui à l'honneur, mais il y a encore 4 nouveaux étalons à découvrir ici au Haras de Bouctot, alors on enchaîne tout de suite.